In this video, we will be sharing our love of Normandy, France. Yes, we'll be giving you an insight of what it's like to live in Normandy. My name is Hannah. And my name is Peggy. And we welcome you to share a slice of our French lives. Okay, Peggy, I have a question for you. You ready? What does an oak tree, a cup of coffee, and a crucifix, what do they have in common? A road trip, Peggy. Get your purse, get your shoes on. We're gonna hit the road. We're at the famous millionaire tree, the oak tree, the famous Chêne de Alouville-Bellefosse. Where we didn't think we could. No, and the Virgin Mary's right here with us. Oh my gosh. Holy cow. I didn't think I could fit. No. I can't really see. Wow. We're inside this tiny little microscopic oak tree. Oh, a couple little visitors. Stairs, and we're gonna see what's on the next floor. The tree is said to be around 800 to 1,000 years old. And you can see it's a nice view from atop, and you can see the church right next to us. Oh my gosh! There's Peggy! Hey, look, we can even enter the chapel from here. Ooh, it's steep. Wow. We're up top in the oak tree. And as you can see, it's been hollowed out in the tree. And it's kind of small. It's probably a meter square, not even. Mm-hmm. And Peggy said, it's kind of creepy. You can see the top. The tree has been hollowed out in, I think it was the 17th century. The tree was struck by lightning and it was hollowed out, and a little chapel was made. And it's good with a cup of coffee. Sort of. Pour l'instant, on ne peut pas
voyager, ça risque d'être compliqué. On s'est dit qu'on allait imaginer de leur permettre de voyager en choisissant des lieux qu'on aime bien. Non, mais c'est ça, l'idée, c'est moi j'ai eu la chance de partir aux États-Unis pour mes études. J'ai rencontré des gens tellement sympas que voilà, l'idée c'est de faire le lien entre la France et les États-Unis comme ça. Look, Hannah. Voilà. Oh wow. Very cool. What year was it? 1936. Voilà. Oh, génial. Donc là, vous avez cette photo avec les vélos. C'est joli comme tout. Ouais, c'est chouette. Moi, ça fait 44 ans que je suis là. Et alors là, c'était un relais poste. Et les chevaux passaient par la, vous savez, une porte là, une grande porte, un porche. Oui. Et les chevaux passaient dans l'écurie, était au fond de la cour, là où sont les toilettes. D'accord. Voilà. Ah, parce que les toilettes du bar, c'est dehors. Oui. Oh, génial. Les toilettes du bar, well, sont let's dehors. Go to the toilet, Hannah. C'est dans la cour. Ah, mais oui, c'est top. Ouais. Donc ça a été refait, on a fait des toilettes à la place des écuries. Ah oui. Et sinon, en haut, il y avait deux étages et il y avait des chambres dans le grenier. Et dans le grenier, il y a encore des épitaphes décrites pendant la guerre. Ah oui, parce que même le comptoir là... Alors, le comptoir, il a été refait en 80 parce qu'il était tout petit, c'était un petit zinc qui arrivait jusqu'ici. Vous avez d'abord une petite marque là, ici, là. Vous voyez, par là. Ah, ok. Oui. Ouais. Et il était grand comme ça. Et là, il y avait une très grande cage d'escalier. Il était dans l'autre sens. On montait l'escalier comme ça. Okay. Et nous, on l'a mis pour agrandir le bar, là. On l'a mis dans l'autre sens pour agrandir. Voilà. Mais sinon, le bar, il était petit jusque-là. Là, ce présentoir-là de cigarettes, il est authentique aussi, hein, je ne l'ai pas changé. Hein. Mmh. Alors forcément, à un moment donné, ils voulaient tout me changer, j'ai dit non, moi, je reste dans le style. Après, il faut évoluer, la machine à café, l'ordinateur, ça, on n'a pas le choix. Bien sûr, oui. C'est ça. Mais sinon, le café en lui-même, comme vous voyez, on a refait les portes. Les portes sont refaites à l'identique parce qu'elles étaient fichues. Quoi. Oui, elles étaient oui.